Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais manger des cheese naan, mais pas n'importe lesquels, des cheese naan en burger, en dessert, en salé, en ce que vous voulez. Et pour cela, j'ai décidé d'appeler Monsieur Zaki Labette. Et j'ai une nouvelle, j'ai reçu son bulletin. Ah là là, là on va les manger, on va l'échanger, on va discuter. Avant ça, je vais aller récupérer à son lycée Jules Verne à Sartrouville. Et comme j'ai peur de peut-être m'énerver ou quoi que ce soit, j'ai décidé de faire appel à une tierce personne. Monsieur Lims, alias Wild Amé. Monsieur Lims, comment ça va? Ça va très bien et toi Isma? Nickel, là je t'appelle parce que c'est grave aujourd'hui. Zaki, il a reçu son bulletin. J'ai eu un avant-goût, tu l'as pas eu malheureusement? Non, pas encore. C'est compliqué. C'est vrai, ça pique. Ouais, ça pique. Ah, je me rappelle ça, c'est des souvenirs le bulletin. Hein. On attendait le facteur en bas de la maison, hein, très bien. Oh là là, c'était des histoires. Fallait intercepter le double de la clé de la boîte aux lettres. Oh là là, les histoires. Je retirais le fil du téléphone pour pas que ça appelle chez moi. Ah, j'en faisais des trucs. Mais là, on a une discussion hors caméra et Lims, il essaye de me calmer, d'être bienveillant, etc. Moi, c'est pas comme ça que ça marche. Je pense pour qu'un adolescent, il évolue et que ça fonctionne. Je suis plus de droite que de gauche, on va dire. T'as capté ce que je veux te dire? J'ai bien compris ce que tu veux dire. Mais des fois, la ceinture, c'est pas forcément le bon choix. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, on va aller devant le lycée Jules Verne, on va le récupérer, let's go. Ce que je comprends pas, c'est que là, normalement, il est en cours. Et depuis tout à l'heure, il échange avec moi par SMS. Ça, c'est un mauvais point. Lim, tu peux pas me dire le contraire. On attend, il arrive là. Zaki! Zaki la bête! Tu vas vous faire venir, Mais ça me fait chercher Zaki la bête à l'école directement. Ouais, je fais la caméra, frère. T'as un mot à dire? Non, là, je pense. On est venu chercher de l'école, on t'a ramené un petit goûter, un petit Capri Sun avec un petit Kinder Surprise. Qu'est-ce qui se passe, Zaki? C'est quoi, dans tes copains? Dans tes copains, t'es timide? Ouais, bah. Ah, yeah. Zaki, youtubeur, ah yeah! T'es où ton cartable? J'en ai pas là, j'avais que sport. Voilà, oh, elle a même pas de cartable. Il est là le problème. Là, on va aller manger, on va bien discuter. J'ai reçu ton bulletin. Hein? Avec les appréciations, avec tout. Ouais, t'inquiète. Je te vois un petit peu intimidé, un peu, tu t'échappes, tu... Tu me tapes la honte, tu viens dans mon lycée. Comment ça, je te tape la honte, c'est Isma la bribri, frère, qu'est-ce que tu me fais, on est ensemble. On va aller bien manger, c'est bon. Les amis, nous sommes arrivés à Paris Nord. C'est toi, t'es mal barré, je te dis avec ton bulletin. Là, on va aller chez Nine Time. Nous sommes à Honest, bon, on va aller chez... Nine Time. Mais non, dis-le avec le style Nine Time. Nine Time. Yeah, let's go, mon pote. Zaki, c'est compliqué, hein. Ouais, y'a trop de choix, là. Attends, bon, mon refrain, qu'est-ce que tu me conseilles ici? Moi, franchement, je te conseille un bon truc, là. La nan poulet, là. Mais là, y'a trop de trucs, nan pizza, ouais, nan burger. Tu vois, c'est... C'est quoi, comme d'hab, on va dire qu'il nous met un petit peu de tout, hein. Ça va être sale, loup. T'es moi, comment? C'est une dinguerie. T'habites où, Honest ou pas? Moi j'habite à Weimar, je sais pas si tu connais, dans le 9-5. Toi tu regardes mes vidéos? Ah bien sûr, ouais, je suis un abonné carrément. Je... Vas-y, montre-moi comment faire un vrai croc. Un vrai croc, ouais. C'est parti. Un croc, ma gueule, gâté, non, je connais. Ah bon, ouais, t'es sénégalais? Ouais, sénégalais. Ok, mon ref. Bon les gars, préparez-vous. Vas-y. Bismillah. Dingue, voilà, dingue. Sartek, mon ref, bon appétit. Bienvenue, frère. Je te laisse manger tranquille, bon appétit, mon ref. On est ensemble. Les amis, on a reçu nos plateaux. Oh là là. Moi j'ai pris grillade mixte avec des côtelettes, des ailes de poulet, tandoori. J'ai vu un client, il a mis une sauce avec du yaourt, de l'ail, des herbes. Je me suis dit, je vais faire la même chose. Toi t'as pris un burger avec bacon, avec double cheddar, steak, petite salade batavia, petite frite. Ah ça, qu'est-ce que ça me donne envie. Lims, la bienveillance, tu as pris un tandoori en cheese naan avec des petites frites à côté. Exactement. Et on a pris pour nous tous une pizza naan. Ah exactement. À la petite pizza naan avec des merguez en mode oriental. On commence par le bulletin ou on mange un peu de pizza d'abord? Vaut mieux d'abord manger. Ouais. Parce que le bulletin, il va couper l'appétit, t'as compris? Vaut mieux qu'on se remplisse un peu le ventre. Ouais, après, on passe aux mauvaises nouvelles, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la pâte, c'est pas pâte pizza, c'est pâte cheese naan. Bon, les amis, comme vous le savez, à ma grande habitude, jamais une part, deux parts, tu les plies comme ça. Ah, oh là. Tu sais qu'avec cette pâte naan, ça change vraiment tout. C'est vraiment un naan. En mode pizza. Mmh. Ça, à l'époque, moi, je connaissais que ces deux pizzas, orientale ou fermière. Soit avec le poulet fumé, soit celle-ci avec merguez, viande hachée. Revenir à la base, les frères. Revenir aux traditions. Hein? Je suis un très grand fan de pizza, moi, de base. C'est la première fois que je goûte ça, en fait. Fallait que tu traînes avec moi. Exactement, pour découvrir ça. Et tu sais, ça fait la différence sur quoi? Sur quoi? Tu peux finir la croûte. Moi, je la finis jamais en temps normal. Mais là, tu la finis normal. C'est ça qui est magnifique. Et franchement, ce qui me donne envie, parce que la côtelette, c'est connu, c'est vu et revu, cette petite sauce par-dessus. Je vais être honnête, c'est une côtelette classique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux te retrouver avec des assiettes, avec des cheese naan, avec des burgers en naan, avec des grillades mix. Et tu peux même retrouver des plats indiens. C'est-à-dire que tu peux venir avec diverses personnes, etc. Là, je prends ce cheese naan bien beurré avec un bout de tandoori. Je rajoute par-dessus 2-3 frites. Oh, regarde-moi l'intérieur. Oh.
le tandoori avec le petit tisane, avec les frites, avec le petit beurre. Mes sandwichs, c'est les meilleurs. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que ce poulet tandoori, il est braisé. Il a un petit goût grillé. Ça change tout. Pour vous dire la vérité, ça fait mal aux yeux. En fait, je sais même pas par quoi commencer. Tu sais quoi, on va en faire plusieurs d'affilée. En français, bon travail, mais attention aux bavardages qui peuvent gêner le bon déroulement du cours. Hein, il dérange le bon déroulement du cours. Toi, t'es là, tu me dis de pas m'énerver. Hein, le bon déroulement du cours, c'est-à-dire c'est un obstacle pour les autres. Mais non, mais faut pas le prendre mal. C'est possible que ce soit son côté créatif qui parle, c'est l'adolescence, c'est pas encore mais le canalisé. Ah, je vais te continuer la suite, regarde la suite. Mathématiques, résultats catastrophiques et aucun travail. Ah, Zaki, aucun... C'est la vérité, Lims. Aucun travail en mathématiques. Peut-être qu'il est pas fait pour les mathématiques, faut pas le juger sur une seule matière. C'est ça que je veux te faire comprendre. 9 x 7. Je sais pas. Elle est en haut, la réponse. Il y a 7 personnes qui ont 9 grecs, ça fait combien? 63 grecs. Là, tu vois, il faut juste trouver la manière. Je crois que c'est la manière. Exactement. Je fais un dernier test avec lui, après on passe à ton sandwich. Okay, je lui pose juste une petite question. En français, et le roi domina le monde pendant plusieurs années. Où est le verbe Zaki? Pendant. Il faut utiliser la même technique que tu as utilisée tout à l'heure. Vas-y. Zaki, c'est quoi le verbe dans la phrase? Le roi et ses sujets mangèrent un kebab très tôt le matin. Mangèrent? Ah, voilà, c'est vrai. Il est c'est juste la manière de faire. Ouais. En fait, c'est l'éducation nationale qui... Et ça fait des années que Zaki pointe ce problème au niveau de l'éducation nationale. Ça fait plusieurs vidéos où je le reproche. Je me même fait un débat contre une prof. C'est vrai, c'est vrai. Autour d'un... D'un grec. Franchement, en tout cas, visuellement, il est très 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 beau. Il fut très beau. Aïe, aïe, aïe. Il fut très beau. Ah ouais, ça qui tisnane par-dessus, tisnane en bas. Franchement, la viande hachée, cheddar, la salade, la tomate, l'oignon, le bacon, le pain tisnane, tout ensemble, c'est incroyable. C'est super bon. Avant d'attaquer le tisnane tandoori, on va revenir à l'histoire-géographie. En histoire-géographie, tenez-vous bien, vous qui êtes à la maison, il a 1,5 sur 20. 1,5 sur 20. Élève fantôme, de grosses difficultés, aucun intérêt pour la matière. Et toi, Lims, tu me dis de pas m'énerver. Après, c'est pas pour le défendre, Isma. Mais l'histoire géo, c'est du passé, entre guillemets. Est-ce qu'il faut pas plus se projeter vers l'avenir, les nouvelles technologies, les... Tu vois ce que je veux dire? En musique, il a 14,67. Oh Moseka, tu connais, hein, Shtah. Hein, tu connais. On va finir le cas de Zakaria. On va finir ton conseil de classe. Puis on va passer au dessert des nanes frites. Ça, par contre, c'est vraiment du jamais. Ouais. Oh. Visuellement, il est beau. Franchement, des fois, les gens, ils ont des idées, comme cette histoire de tisnane en sandwich. Je pense qu'avant, le tisnane, ça existait en Inde, etc. Mais je pense que c'était pour accompagner le riz. Ça fait une petite décennie qu'on voit des sandwichs en tisnane. Et je trouve que celui qui a eu cette idée-là, je voulais te remercier. Parce que franchement, du tisnane, le pain chaud avec le fromage, avec la viande, c'est un régal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un tisnane, il y a le poids aussi. Tu vois ce que je veux dire, quand tu l'attrapes comme ça, tu sens que le pain nan il est bien lourd. Tu l'attrapes ici, regarde-moi. Le croc, je vais le faire ici. Toi qui es à la maison, qui as faim, je suis vraiment désolé, vraiment. En science et vie de la terre, il a 2,50. Maintenant, Lims, vas-y, donne-moi une bonne raison de ne pas être en colère. Après, il faut le comprendre, le petit jeune Isma aussi. Comment tu veux que je le... 2,50 en science? Écoute-moi, on est en 2022. À l'heure actuelle, là, la planète, comment elle va? La science et vie de la Terre, comment elle va? Elle va pas très bien. Mal. Tu penses vraiment que là, l'éducation nationale, elle est en phase avec ce qui se passe de nos jours? Elle leur apprend vraiment ce qu'il faut? Oh, science et vie de la Terre, hein, la feuille, elle est verte parce que... Hein, il n'y aura plus de feuilles dans 20 ans. Pourquoi tu veux leur apprendre ça? C'est normal qu'ils soient désintéressés, le petit. T'as raison. On va parler de sa moyenne générale. Ah, attends, on va parler de sa moyenne générale. Zaki, on a notre nan frit. Et là, on a notre nan en mode sucré. Mais celui qui est frit, si tu peux apercevoir, il y a de la crème pâtissière par-dessus, avec des Oreos crème chantilly. Spéculo, je pense. Et ici, on a une petite boule de glace, avec de la fraise, de la banane, chocolat. Ça va pas me faire remonter mes notes, mais ça va me remonter le moral. Et voilà, il joue en plus. Voilà, il joue. Je t'ai dit, il est malin, il est malin. Il est créatif. Oui, exactement. Bismillah. Non, prends une petite fourchette, prends tout ce que... C'est quoi, tu voulais l'enrouler, hein? Ouais, comme une crêpe. Non, vas-y, prends une fourchette et un... Avec la banane, le chocolat, un truc simple, super bon. Avant de passer à sa moyenne générale, et vous n'êtes pas prêt, je vais d'abord taper ce nan frit. Oh là, tu attrapes comme ça, Lims. Oh là 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 là. Oh, regarde-moi ça. C'est la première fois que les gars, je vois un nan frit. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit visuellement,
c'est pas un truc de dingue. Mais en goût, la crème pâtissière avec ce naan croustillant, là, c'est vraiment une dinguerie. Lims, je viens de me rendre compte d'un truc. Dis-moi. C'était le bulletin de quand il était en 3ème. Mais non. Ça, je suis choqué. Pourquoi tu fais la parole? Tes notes actuelles, elles sont bien ou pas? Bah voilà, elles sont bien. T'es combien de moyenne? Là, dernier trimestre, en 3ème trimestre de l'année dernière, j'avais 14. Et tu fais quoi à l'école? Je suis en maintenance. Là, on va te faire la rencontre d'un client. On a discuté avec lui, on a échangé, et c'est un patron en bâtiment. Et Zaki, il cherche un stage. Et le monsieur, il a dit, il me prend. Le monsieur, il va le prendre pendant un mois. Il a galéré à trouver un stage. Pas pour son avenir, je t'ai dit, ne t'inquiète pas pour son avenir. Ça veut rien dire, les notes. Toi, t'as du gars, toi? Zaki, sahtek, Olap, t'as trouvé ton stage comme ça ici en venant, hein? Comme ça. Elle est belle, Olap. On va finir sur une très, très, très bonne note. Précise-moi ton cursus scolaire et ton rythme de stage. Attends, je t'excuse, moi, frérot. Enlève ton truc de là. Y'a le patron qui te parle, t'es en train dans la bouche. Assieds-toi bien, retire tes mains de tes poches. Désolé, patron. Continue. Donc, je te disais. Transmets-moi ton rythme scolaire. Les amis, on s'est régalé. Ah, c'était très bon, voilà. Très, très, très bon. Bon. Par contre, c'est vraiment vrai. Oula, il a vraiment trouvé un stage. Félicitations, mon frère Zach. Par contre, il a oublié son téléphone de l'autre côté du store. Je sais pas comment on va faire. Ouais, c'est fermé, hein. Allez, c'est compliqué. Mais là, c'est le moment de leur dire qu'on leur rendez-vous. À la prochaine vidéo.